Élève ta voix. Demande à Dieu d'entrer dans ces combats. D'entrer dans ces combats et de changer la situation. Prends nos mains droites. Merci à la chorale. Levons nos mains droites. Gardons silence. J'aimerais que tu sois concentré. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Je sais que tu as beaucoup prié. Tu as trop prié. Mais j'aimerais que tu reçoives maintenant. J'aimerais que tu reçoives maintenant. Lève bien ta main droite. Dis avec moi, Père. Dis-le fort, Père. Dis-le fort, Père. Je m'abandonne à toi. Dis-le encore, Père. Père. Je m'abandonne à toi. Je viens vers toi. Je viens à toi. Que cette main levée soit mon signe d'abandon. Je suis faible. Je suis très faible. Mais tu es fort. Seul, je ne peux pas. Seul, je ne saurai pas. Combat pour moi. La nuit comme le jour. Le matin comme le soir. Dans ma conscience et dans mon subconscient. Combat pour moi. Là où on a parlé sur mon mariage. Là où on a dit que je vais échouer. Là où on a déclaré que je ne vais pas me marier. Là où on a déclaré que je ne ferai pas 3 mois dans un mariage. Là où on a séché mes finances à cause du mariage. Combat pour moi. Je suis seul. Mais je suis à ces rendez-vous. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, apprends-moi à être un bon mari, à être une bonne femme, à être un bon époux, à être une bonne épouse. Saint-Esprit, que les réclamations de ma famille disparaissent dans ta présence. Que la méchanceté des hommes disparaisse dans ta présence. Je lève ma main droite. Saint-Esprit, touche-moi. Transforme-moi. Déracine en moi tout ce que tu n'as pas planté. Je veux ce soir recevoir. Je veux ce soir recevoir. Lève tes mains. Parle au Saint-Esprit maintenant. Parle librement au Saint-Esprit. Demande ce que tu veux recevoir aujourd'hui. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas omniscient. Mais le Saint-Esprit connaît toutes choses. Dis-lui ce que tu veux recevoir. Pose-lui les questions auxquelles tu attends les réponses.
grâce à toi. Oh, je sens une soif. Je sens une soif aujourd'hui. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Cette incertitude doit s'arrêter. Cette confusion doit s'arrêter. Aujourd'hui, ce combat doit s'arrêter. Cette humiliation doit s'arrêter. Masaka tabrada lacha. Karabadabosa. Kantalene shaka. Esu prekata. Wadalabana la mama mama mama. Karaboseke. Shabaleta saka papa. Saprado papa. Omama sakote. Chatomoka. Tana mama mama. Sandolobe sakaba. Aujourd'hui, tu vas gagner. Aujourd'hui, tu vas gagner. Si toute la nuit tu as pêché sans trouver le poisson, cette fois-ci tu vas trouver le poisson. Jésus est présent. Karamamamamamama, zebra dans la maman. Chatale bras, soukate. Kanza la maman, chaita la kaza. Zabra doro. Kandememememe. Chakoto brada. Zana lekeya. Kasiba bobo 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 bobo. Venons à toi, oh Shabbata. Ah oui, tu fais bien de prier, tu fais bien de prier, tu fais bien de lui parler. Tu as rendez-vous dans ta présence. Dans sa présence, on ne perd jamais, on gagne. On gagne ou on gagne. Dans sa présence, c'est la victoire. C'est ce combat qui te fatigue. À chaque fois que tu vas te marier, tu perds le travail. Ça va finir. À chaque fois que tu vas avancer, tu cesses. Oh manala, ma chataraba. Quand on aime ça. Thank you.
gagner ce combat. Tu dois gagner ce combat. Tu dois gagner ce combat. Tu dois gagner ce combat. Tu n'as pas le droit de perdre ce combat. Tes enfants, tes petits-enfants en dépendent. Tu n'as pas le droit de perdre ce combat. Tu n'as pas le droit de sauver ton mariage. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de frapper ton pied les erreurs de tes parents. Tu n'as pas ce droit-là. Non, non, tu n'as pas ce droit-là. 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 Tu n'as pas le droit d'être un mauvais exemple à ta famille. Tu n'as pas ce droit-là. Non, tu n'as pas ce droit-là. 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 Je suis dans la confusion, je ne sais pas si je dois continuer à prier, prophétiser ou prêcher. Mets ta main sur ta tête. Car tu dois gagner, mets ta main sur la tête. Gardons silence, mets ta main sur la tête. Car tu dois gagner. Tu dois gagner, tu dois gagner. Tu dois gagner. Tu dois gagner. Tu dois gagner. Mets ta main. Sur ta tête. Gardons silence. Gardons silence. Gardons silence. Gardons silence. Est-ce que tout le monde peut s'élever? Je suis très sérieux quand il s'agit des combats. Quand je suis un combattant depuis le ventre de ma mère. Je sais ce que le diable peut faire dans ta vie. Alors ne blague pas. Aucune idée du pourcentage des divorcés qui montent chaque jour dans le monde. Tu n'as aucune idée de la publicité que les gens font sur les divorces. Tu n'as aucune idée de combien le diable finance la télé pour vanter les divorces. Toi, tu ne vas pas divorcer. Toi, tu ne vas pas divorcer. Toi, tu ne vas pas divorcer. Mets ta main sur la tête et déclare. Père! Au nom de Jésus, décharge sur moi, décharge sur ma tête une semence qui va déloger toute pensée négative, toute pensée qui m'amènera à poser les actes. Mon mariage. Père, enlève en moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, toutes semences plantées par la famille, plantées par la coutume, plantées par les ancêtres, qui combat mon mariage. Père, je m'abandonne à toi. Ma main sur la tête. Fais de moi ce que tu veux. Mais que je sorte d'ici différemment. Garde ton calme. Tu vas maintenant voir l'exaucement de ta prière. Le Saint-Esprit est en mouvement accéléré. Nous ne prêchons pas les histoires, mais nous prêchons Jésus qui est vivant. Il y a des gens qui doivent être délivrés maintenant. Il y a des gens qui doivent laisser certaines choses. Ça commence. Ne sois pas distrait. Il y a des maris des nuits qui doivent laisser la place maintenant.
Il y a des femmes des nuits qui doivent quitter. Il y a des esprits de masturbation qui doivent quitter. Oh, Shakata Baba, Brazakati, garde ta main sur ta tête. Sakato Brodosha, Remanta, Bradakalante, Kanto Lobo, Celebreka, Saprodo, Sokarebeta, Kantama, garde ta main sur la tête. Sobre Kabas, Akate, Bredelede, Kantale, Chantele, Brekese, Kantema, Redakos, Bra. Commence à répéter après moi Jésus. Dis c'est moi Jésus. Dis c'est moi Jésus. Continue à dire Jésus. Continue à dire Jésus. Continue à dire Jésus. Jésus. Accélère Jésus. 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 Commence à prier. Commence à prier. Demande la séparation. La séparation. La séparation. La séparation. Commence à prier. Commence à prier. Ne sois pas distrait. Tu es venu pour gagner. Demande la séparation. Demande la séparation. Oh, Sabradaba. Avant de te marier, tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer de lui. Tu dois te séparer d'elle. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Il y a le quatrième combat qui est la séparation. Tu dois te séparer de cet esprit-là. Oh, qui bloque. Cet esprit-là qui te pousse dans les mauvaises choses. Tu dois te séparer. Bara, tatata va lâcher. Lâchez ton nom. Continue à prier. 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 Oh, au nom de Jésus, Shabarada Kababa, je le vois sur qui il est. 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 Attention, la serre à gauche. La serre à gauche. Shab. La séparation, la séparation. Séparation, ne sont pas distrait. La séparation, la séparation. Oh, oh, il y a des choses qui doivent se séparer de toi. La séparation. Chateregese. Oh, Zoka Tebradaba. La séparation. La séparation. Oh, oh, oh. Jésus dit pour les séparer. Jésus dit séparer. Il y a une séparation qui doit arriver. Il y a une séparation qui doit arriver. Oh, Chobrakse. La séparation. La séparation. Séparation. La séparation. La séparation. Jamais, Sakata. Continue à prier. Continue à prier. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. La séparation. Ne sois pas distrait.
Jésus, 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 Jésus. Caramamamamama, santé le bébé bébé bébé. Caribe bébé bébé bébé. Chante la gazé. Planosa. Tateke kelebe cheke. La séparation. La séparation. La séparation. La séparation. La séparation. Chare bobo. Zabrakatie bébé bébé. La séparation.
remets les contrats. Je remets les contrats. Personne va mourir. Quand personne va mourir. Quand personne va mourir. Ce que vous ont accusé forcément il y a deux semaines. Comptez deux semaines. On va les enterrer. J'ai remis le contrat. J'ai remis le contrat. J'ai remis le contrat. L'éternel est vivant. Shabba Sababa. Sabama Chatele Gese. Sabra Kse. Chatele Ka. Saraka Gagagaga. Oh, Chopé Gese, bébé. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Nous sommes en guerre. Oh, Brakasa. Oh Rababalo, Sheregesa, Ashabrakasa, Oh She, Aroho, Rabrakase, Ashabate, Sarakasha, Eshamama, Masebrakate, Rakase Brosho, Rose, à tout le moment, Rakase, Oh Mama, Sababa, Esha, Rakase. Dieu est là, ne sois pas distrait. Karababa, chate ma mère. Kasoprakate, Zakata, Loshobaka, lève tes deux mains. Je vois 500 maris de nuit en ces lieux et femmes de nuit. Et l'Éternel me dit clairement. S'il y a une grande raison qui bloque les mariages en ces lieux, c'est la multiplication, la polygamie des nuits. Et beaucoup qui sont en ces lieux se réveillent et comprennent qu'ils ne sont pas seuls la nuit. Lève tes deux mains. Ne blague pas, ne regarde pas ton voisin. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Il y a des mariages qu'on t'a donné la nuit. Si ces mariages ne s'arrêtent pas, tu ne vas pas te marier la journée. Karamama mama. Oshatarabazote. Samantha la caché. Kantele bébé bébé. Kandoro bobo. Chandele kese. Lève tes deux mains, ferme tes yeux.
commence à prier dans ton cœur. Pas dans les paroles, mais dans ton cœur. Ceci n'est pas un spectacle, mais c'est une victoire que tu vas gagner. Lève bien tes mains. On doit briser les mariages là. Sinon, tu ne vas pas te marier. Il y a des gens qui sont au bord du divorce parce qu'ils sont mariés déjà la nuit. Koramasaka, garde tes mains levées. Prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur. Demande une chose à Dieu. Dis à l'Éternel, brise ces mariages-là. Dis à l'Éternel, brise ces mariages-là. Koramama shakate, satabro kantamala, kandolobobro sokate. Jésus est présent. Jésus est présent pour briser. Lève tes deux mains et crois. Crois. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, me suffit. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel. Il est présent ici, il est présent, il est présent, il est présent. Chante, répapa, sablada, il est en circulation, il est présent. Séparation. Demande la séparation. Demande la séparation. Demande la séparation. Chatare Baba Sepra de bébé. Kasabate bébé. L'Éternel est présent. Shabara Baba. Sitara Mama Mama. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. Ne peut pas continuer comme ça. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. À chaque fois que tu as des projets de mariage, l'argent disparaît. Tout est bloqué. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Il y a quelqu'un qui bloque cela. Il y a quelqu'une qui bloque cela. Il y a des quelqu'une qui bloque cela. Ça doit changer. Ça doit changer. Thank you.
toi. Enseigne-nous, Seigneur, afin que nous gagnions ce soir. Équipe-nous pour que nous ne perdons plus cette bataille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Fais-les très fort, fais-les très fort. Fais-les très fort. Pour ce qui est déjà pour Jésus, tu peux reprendre ta place. Je vais enseigner pendant les 40 minutes qui me restent afin que tu sois totalement équipé. Amen. Salue 5 personnes autour de toi. Dis-lui, tu vas vaincre ces combats. Salue 5 personnes autour de toi. Dis-lui, tu vas vaincre ces combats. Est-ce qu'il y a la joie? Il y a la joie? Il y a la joie? S'il y a la joie, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Tous ces cris de joie. Amen. Alors nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 2, 24, notre chapitre de base. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront qu'une seule chair. Amen. Dis avec moi, une seule chair. Dis à ton voisin, une seule chair. Amen. 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 Alors, il serait un péché pour moi si je n'enseignais pas aujourd'hui. L'Éternel m'a conduit à prier. Mais je pense que si on avait encore le temps, et la semaine prochaine, on aura 3 heures de prière non-stop. Amen. Amen. Prends tes dispositions jeudi de la semaine prochaine. Tu viens ici à 16h, on commence. Demande au travail qu'on te libère avant. On aura 3 heures de prière non-stop. Et crois-moi, à chaque fois que nous faisons prière de victoire, on gagne toujours. On gagne toujours. Amen. 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 Acclame pour Jésus. Les 7 combats du mariage. Et j'aimerais vraiment, je sais que vous habitez loin, vous êtes pressé de partir, mais j'aimerais vous dire, ne partez pas avant la fin. Dis à ton voisin, ne pars pas avant la fin. Je ne serai pas long, à 19h30 on va arrêter, mais j'aimerais que tu comprennes ces choses. Il est bon de prier, mais ceux qui me connaissent savent que je dis toujours aux gens, la prière seule ne suffit pas. La prière détente beaucoup de choses. La prière pousse Dieu à intervenir. Mais lorsque la prière n'est pas associée à la parole, la même situation peut revenir dans ta vie et revenir encore pire. Amen. Amen. Et j'ai prié pour toi que tu gagnes ces combats au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit Amen. Quelqu'un dit Amen en bas, mais toi tu n'as pas dit Amen. Quelqu'un dit Amen en bas, mais toi tu n'as pas dit Amen. Amen.
Amen. Qui était béni la fois passée? Lève ta main. Ah, il y a trop de nouveaux. Je vais récapituler et puis on va continuer. Nous avons dit la fois passée, nous avons parlé de trois combats. Le premier combat, c'est le combat de quitter. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le mariage commence lorsque la personne décide de quitter. Il faut quitter les habitudes qui ne sont pas compatibles au mariage. Il faut quitter les choses que tu as apprises à la maison, mais qui ne seront pas forcément applicables dans ta vie de mariage. Si tu t'es habitué à dormir jusqu'à 8h du matin, 9h du matin, lorsque tu es marié, tu ne peux pas te permettre ces luxes-là. Amen. Amen. Si tu es habitué à traîner avec les amis 22h, 23h dehors, lorsque tu es marié, tu ne peux plus faire ça. Tu dois quitter certaines choses pour que tu sois qualifié à être marié. Amen. Et la deuxième chose, nous avons parlé de la famille. Tu ne peux pas seulement choisir la femme que tu veux, mais tu dois aussi choisir la famille que tu veux. Amen. Beaucoup de gens se focalisent sur le choix de la femme ou du mari, mais néglige les choix de la famille. Or, plus tard, nous comprenons que beaucoup de gens se sont retrouvés dans des problèmes dans leur mariage à cause de la famille. Tu ne dois pas seulement aimer la fille, mais tu dois aussi aimer sa famille. Tu ne dois pas seulement aimer l'homme, mais tu dois aussi aimer sa famille. Tu peux aimer l'homme, mais si tu n'aimes pas la famille, ne l'épouse pas. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Parce que tu ne peux pas séparer cet homme ou cette femme de sa famille. Tu n'épouses pas Melchisedec. Amen. Amen. Tu n'épouses pas Melchisedec. Dans toute la Bible, il n'y a qu'un homme qui n'a pas de famille. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Abimana Nzete. C'est Melchisedec. Il n'a pas de belle-sœur, Melchisedec. Mais il est dans la Bible. C'est Dieu. Mais toi, tu n'épouses pas quelqu'un qui est comme ça. Alors, pour t'éviter des problèmes, n'épouse pas une personne pendant que tu n'es pas d'accord avec sa famille. Même si tu l'aimes à la folie, cette folie-là va t'amener dans des problèmes. Amen. Amen. Le troisième combat que nous avons dit la fois passée, c'est le combat de l'attachement ou du détachement. Tu ne peux pas t'attacher à ta femme ou à ton mari si tu ne te détaches pas de certaines personnes ou de certaines choses. Et tu ne peux pas vouloir te marier si tu ne veux pas t'attacher. Tu n'es pas un avec ton père, tu n'es pas un avec ta mère, tu es un avec ta femme, tu es un avec ton mari. Amen. Et les combats que les célibataires et même les mariés ont, ils sont attachés à des personnes avant d'être attaché à leur mari. Tu es tellement habitué à cet ami-là, tu es trop copine avec ta mère, alors que quand tu te maries, il y a des choses qui ne doivent pas traverser la porte de ta chambre, mais tu les fais traverser parce que tu n'es pas encore attaché à ton mari ou à ta femme. Amen. Et lorsque tu veux te marier, tu rencontreras ces trois combats. J'avais parlé des 7 combats, et aujourd'hui, je vous donnerai 4 combats que tu vas rencontrer dans la route du mariage. Amen. J'ai résumé pour ceux qui étaient absents. Et si vous voulez suivre la profondeur, le message qu'on a mis sur YouTube, allez sur YouTube, Yannick Amos Moussas. C'est ça, Jürgen? Yannick Amos Moussas, officiel. Yannick Amos Moussas, officiel. TV sur YouTube, abonnez-vous. Le message se trouve là et vous aurez tout le temps de suivre. Amen. Dis à ton voisin le 4e combat. Lorsque Dieu a créé le mariage, et je vais vous choquer, il a dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Qui a lu ça? Lève bien ta main. Qui a écouté ça? Les deux ne feront qu'une seule chair. Lorsque Dieu a établi les mariages, c'est pour que deux personnes deviennent une seule personne.
C'est ça le but du mariage. Le mariage n'a pas pour but d'avoir des enfants. Ça peut choquer, hein? J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Ne divorcez pas parce que vous n'avez pas d'enfants. Ce n'est pas ça le but du mariage. C'est vrai, multipliez-vous, c'est un ordre, mais ce n'est pas le but du mariage. Il est malheureux de voir les gens mettre une pression sur une femme, amener les tonnes de l'eau dans les familles, lui mettre la pression comme si c'est elle qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Il est triste de voir les hommes qui n'aiment plus leur femme parce qu'ils ne savent pas donner des enfants. Le but du mariage n'est pas les enfants. Dis à ton voisin, ce n'est pas les enfants. La preuve en est, les enfants partiront, mais vous, vous resterez ensemble. Je suis parti de chez mes parents. Je ne les vois plus chaque jour. Je passe même des semaines sans les voir. Mais les deux sont restés ensemble. Amen. Amen. Tu dois comprendre que le but du mariage, c'est prendre un homme et une femme et de faire d'eux une seule personne. Humainement parlant, c'est impossible de prendre deux personnes qu'on voit, les fusionner, à moins que sur les dessins animés de Sangoku, ils font la fusion. Qui a déjà suivi ça? Ah, maman, même Dieu peut l'ignorer à Sangoku. Mais humainement, c'est impossible. Et ce qui m'amène à la quatrième bataille, le quatrième combat. Et vous allez voir le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième tournent autour de la même chose. Les combats de devenir un. Les combats de devenir un. C'est la grande zone. Et vous allez voir, dans devenir un là, il y a quatre combats qui sont à l'intérieur. Parce que c'est ça le but. Tu as quitté tes parents. Tu as choisi la famille que tu veux. Tu t'es détaché de certains amis, certaines choses. Tu t'es attaché à la femme. Je peux m'attacher à lui sans pour autant être un avec lui. On peut vous voir ensemble, mais vous n'êtes pas un. Qu'est-ce que c'est devenir un? J'explique simplement en arithmétique, en primaire. Qui a fait l'école primaire ici? Amen. Amen. A égale B si A est dans B et B est dans A. Qui se souvient de ça? C'est simple. A égale B, l'ensemble A égale ensemble B. Si l'ensemble A est dans l'ensemble B et l'ensemble B est dans l'ensemble A. Jésus dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ce sont des principes que tu as appris à l'école, mais tu ne veux pas appliquer dans les mariages. La plus grande bataille du mariage, c'est devenir un. Si tu réussis ça, tu ne divorceras jamais. Mais je vais vous dire, plus de 90% des gens qui sont mariés, je viens encore aux statistiques, les gens de TikTok vont commencer à me critiquer, à écrire, à commenter. TikTok, laissez-moi en paix. J'ouvre une parenthèse. J'ai parlé il y a deux semaines sur 98% des divorcés ne sont pas contents. On m'a attaqué par plus de 40 000 personnes. Et c'est là que j'ai compris que le divorce est devenu de plus en plus monnaie courante. C'est pour cela qu'en route pour le mariage doit s'étendre. On doit combattre les divorces jusqu'à la fin du divorce. Amen. Amen. Et Jésus-Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Il est possible de divorcer et de rentrer ensemble. Qui croit ça? Il est possible de se réconcilier. Parce que le divorce, c'est parce que vous avez échoué de devenir un. Si tu es un, est-ce que tu vas te faire du mal? Si ta femme et toi, ou bien si ton mari et toi, est-ce que tu vas te faire du mal?
qui est cet homme ou cette femme peut prendre un couteau et se faire du mal. Mais pourquoi nous avons la facilité à insulter les autres? Pourquoi on a la facilité à faire du mal à la personne avec qui on dort ensemble? Pourquoi on a la facilité à sortir des mots blessants? Parce qu'on n'est pas encore un. C'est ça la vérité. On a beaucoup de gens dans des maisons, mais ils ne sont pas un. Pourquoi on a facilité à dire que non? Si tu parles de ma famille, au sentir. Si ta famille est ma famille, pourquoi on sentir? Frère, c'est qui est? C'est que tu t'es marié avec quelqu'un, tu portes l'alliance, mais en réalité, tu n'es pas un avec la personne. Le but du mariage, c'est devenir une seule chair. Et j'aime la Bible. La Bible a dit un seul esprit. La Bible a dit une seule chair. Ça veut dire que humainement d'abord, lorsqu'on vous voit, on doit avoir une seule personne. Sinon, la Bible allait dire un seul esprit. La Bible a dit clairement une seule chair. Il ne faut jamais qu'il y ait de différence entre moi et ma femme. Si on nous pose la même question, elle se trouve à Lemba, moi je suis à Ngaba, on doit avoir la même réponse. C'est ça de devenir un. Tu réussis ça, tu réussis ton mariage. Ce n'est pas tous les tralala qu'on vous rencontre. Ce n'est pas ce qu'on vous rencontre. Tu réussis ça, tu réussis ton mariage. Il faut que lorsque l'autre est en paix, que je sois en paix. Lorsque l'autre est dérangé, que je sois dérangé. Il faut que ses sentiments à elle deviennent mes sentiments. Sa maladie devienne ma maladie. Ses batailles deviennent mes batailles. Ses ennemis deviennent mes ennemis. Tu ne peux pas être ami à une personne que ton mari n'aime pas. Je vais parler. Tu ne peux pas chatter avec une personne qui dérange ta femme. Parce que si tu es un, ça veut dire que si elle souffre, toi si tu souffres, même si tu aimes la personne, tu n'es pas un avec cette personne-là. Basta, tu es un avec ta femme, tu es un avec ton mari. Il y a des sujets dans lesquels il ne doit plus avoir confusion dans les couples. C'est pour cela que les couples sont ensemble, mais ne sont pas ensemble. Ils dorment ensemble. Excusez-moi les termes, ils font l'amour ensemble, mais ne sont pas un. Pourquoi? Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes opinions. Je vais encore plus loin. L'homme ne peut être de l'union sacrée et la femme de la mouka. Impossible, vous n'êtes pas un. Je vais parler. L'homme ne peut pas être du Real Madrid et la femme de Barcelone. Vous n'êtes pas un. Dites amen. Dites amen. Parce que si vous êtes un, vous devez avoir le même choix, non? N'est-ce pas? Quelqu'un va dire, non, ce sont mes opinions. Opinion, mon œil. Non. Ce ne sont pas les opinions. Vous êtes une seule chair. Comment vous serez différent? Et c'est là que ça m'amène à quatre combats. Tous les quatre combats sont les combats de compatibilité. Dis avec moi compatibilité. Lorsque tu choisis ta femme, choisis ton mari, tu dois te renseigner sur la compatibilité. Beaucoup de gens font des tests de prières. Je reçois chaque semaine des messages. Prophète Taïlanga, est-ce qu'à moi si Nanga, est-ce qu'à Moubali Nanga? Je regarde, je rigole. Quelle immaturité! C'est pas mauvais d'interroger Dieu, mais Dieu se moque de vous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus à l'Ancien Testament. Tu as le Saint-Esprit en toi pour t'enseigner toutes choses. Amen. Et puis tu es en route pour le mariage qui t'a donné les canevas. Lis, écoute l'enseignement. Ceux qui sont dans les groupes, qui sont dans les groupes en route pour le mariage? Levez vos mains. Dis à ton voisin, quand t'as groupe. Et c'est quand t'as groupe WhatsApp. Et c'est quand t'as groupe WhatsApp. Ah, Rachel, tu es là?
Ah, je suis content de voir ma fille, ça fait longtemps. Hein. Lève ta main. Ah, je suis très content de te voir. Hein. Alors, tu dois savoir que tu dois délimiter la zone de compatibilité. Il y a une chose que nous arrivons difficilement à faire dans le fiançailles, c'est nous séparer. Ma fiancée n'a pas amouré, malgré au cabanaté. Oh, je l'aime. Je ne peux pas dormir sans lui. Avant, il y a abandonné la terre. Oh là là, on l'avait pour une bien. Deux ou trois jours, ça va passer. Tu es charmant au Bossani. Tu dois faire les tests de compatibilité. Tu as quatre grandes batailles, quatre grands combats. Le premier, la compatibilité spirituelle. Si les tests de compatibilité sont bien faits, bien faits, tu vas épouser la bonne personne. Et tu deviendras une seule chair. Si ce test est négligé, tu épouseras la mauvaise personne et tu deviendras 2, 4, 5, 6 chairs. Tu deviendras polygame alors que tu n'es pas polygame. Le premier test, c'est le test de la spiritualité. Le combat que tu auras un combat de compatibilité spirituelle. Pourquoi? Parce que dans le mariage, le premier mariage a été un mariage de nuit. J'ai expliqué ça. La Bible dit, Adam fut tombé dans un profond sommeil. On dort souvent la nuit. C'est pas moi. Et Ève est sortie. Quand il s'est réveillé, il a vu Ève. Je n'ai pas dit qu'il était mari de lui. J'ai dit que c'était un mariage de nuit. Et ce processus-là était hautement spirituel. Parce qu'en temps normal, je prends mon frère, je l'ai fait tomber ici. Attends, tu bien web, makila rande bima. Qui est d'accord avec moi? Quand makila rande bima. Mais dans le mariage de Dieu, c'est d'abord la spiritualité qui a commencé. La spiritualité, ce sont les choses que tu ne vois pas, mais qui influencent ce que tu vois. Tu dois tester la spiritualité de l'autre. Et je vais être précis. Je ne parle pas de la personne qui parle en langue. Ce n'est pas ça la spiritualité. Je ne parle pas de la personne qui jeûne pendant 30 jours. Ce n'est pas ça la spiritualité. Je parle de la personne qui a les mêmes croyances que toi. Amen. Amen. Le combat du mariage a commencé le jour où toi, chrétien, tu as épousé un musulman. Ça a déjà commencé. Même si tu m'appelles jeûné, même si on a 100 000 $ de l'offrande, nakoyate. Parce que ce sont des combats où je ne vais pas gagner. Il faut que l'un de vous change. Il faut se rassurer que la personne que je vais prendre comme femme, comme mari, c'est une personne qui partage les mêmes valeurs spirituelles que moi. Et beaucoup de couples ont ce combat-là. Papa va prier à X, maman va prier à Y et les enfants vont à Z. Vous allez divorcer. C'est un combat sérieux où maman à 20h appelle les gens pour prier, mais papa va suivre les concerts du frère que je ne vais pas citer les noms. Pour que je ne sois pas attaqué par les W et les G. Vous avez compris. Qui a compris cela? N'abord attends avant moi. J'ai trop de batailles. J'ai pas envie d'ajouter. Amen. C'est important que ce combat-là, tu puisses les vaincre dans le fiançailles. Le marié, si vous êtes déjà marié, je ne sais pas quoi vous dire. Mais il faut que vous deux, vous choisissez une même spiritualité. Mais le fiancé, comme je dis et je le répète, les célibataires, les fiancés, a une chance que les mariés n'ont pas encore. Il peut encore changer. Célibataire, dit amen. Dis amen. Fiancé, dit amen. Ben, ok. Marié, dit amen. Qui sont mariés ici? Ah, Baba Kissamia. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Qui sont célibataires ici? Bon, la sonité, dans l'eau qui a bien la cité. Ah, il y a des gens qui sont sans position ici, qui sont fiancés. Bazé Bélé va fiancer.
Soyez fiancé dans les lots. Vous l'imisanga. Je vais parler. Amen. Il y a des choses que nous négligeons qui t'amènent des problèmes dans le futur. Les petites bêtes que nous négligeons souvent deviennent des grandes bêtes et peuvent te renverser. Tu ne sais pas devenir une seule chair avec une personne qui est kimbanguiste et toi tu es de la borne. Je donne un exemple. Vous ne serez jamais une seule chair. Vous ne croyez pas aux mêmes choses. Ne viens pas me demander, prophète, j'ai pris pour lui, va changer. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Gagne-le d'abord à Jésus avant de lui dire je t'aime. Ah bon, on l'appelle Moté Marsolo. Ah, c'est la fake news. Observe-le, tente-le, éprouve-le, éprouve sa foi. Là, tu peux maintenant dire que tu les prends. On doit vous dire ces choses. On doit vous dire des choses. Je ne parle pas d'un sentiment qu'on va dire, regarde ce jeune homme ici. Dieu m'est témoin. Je traite des cas de couple même de 50 ans, de 60 ans. Miko Nangai, mais je traite ces cas-là. Et quand je vous dis qu'il y a des choses qu'il faut résoudre maintenant, je ne blague pas. Parce qu'après, quand tu as des mariages, il y a des enfants, ça devient une équation à 4 inconnus, 5 inconnus, difficile à résoudre. Tu vas faire quoi? Est-ce que moi, pasteur, je dois te dire que tu dois divorcer? Est-ce que je vais te dire ça? Tu me mets dans l'embarras. Alors écoute bien. Ne suis pas les sentiments. Une personne qui n'a pas la même spiritualité que toi ne l'épouse pas. Je peux crier. Je peux crier. Je peux monter ici pour crier. Une personne qui n'a pas la même spiritualité que toi, qui ne partage pas la même foi que toi, ne l'épouse pas. Même si tu l'aimes à l'agonie. Aujourd'hui, prends le WhatsApp, dis-lui, mon frère, ma soeur, je t'aime, mais pour le bien de ma vie, on ne va pas se marier. C'est facile à dire. Je vais vous dire une chose sur ma vie. Avant d'épouser ma femme, avant même de parler mariage, avant même qu'on commence à s'aimer, j'insiste, je revenais sur Tchalitoï dans les seigneurs. Amen. Je ne partageais pas les... Je peux dire, on avait la foi à 50-60%. On n'était pas à 100%. Jusqu'à ce qu'on est devenu à 100%, c'est là qu'on a parlé mariage. Elle est là. Parce que je me disais, je ne suis pas de ces parents qui enverront ses enfants dans une église dimanche au baquet. Non. Ne blague pas avec ça. Dieu n'est pas universel. Je ne vais pas insister. Dieu n'est pas universel. Il y a Dieu et Dieu. Amen. 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 Je me retiens. Je vois déjà, il me regarde. Si je cite des noms ici, elle s'est dit, Mbal, dans la chambre de ma procès, ouais. Zappon. Cinquième combat. Amen. J'allais citer un exemple des églises, mais si je cite les noms ici, désormais, on va nous attaquer encore sur TikTok. On zappe. Mais tu as compris. Qui a compris? Qui a compris? Qui n'a pas compris avant que je passe à l'autre point? De Bolinkana cité. Puis nous, on a polémique, hein. Bolinkana terre. Bolinkana cité. Ok, j'avance. Tu ne peux pas, mon frère, choisir une femme qui, chez elle, elle croit que Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu. Mais elle croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Voilà, je vais arriver. Mais vous, vous croyez que Jésus-Christ est Dieu. Ces points-là que vous négligez, après 10 ans, ça peut devenir un problème sérieux. Vous comprenez maintenant de qui je parle?
ceux qui croient que Jésus-Christ est fils de Dieu, mais n'est pas Dieu. Mais il y a des gens qui croient que Jésus-Christ est fils de Dieu et il est Dieu. Il y a des gens qui croient qu'on ne doit pas prier en langue. On doit forcément interpréter. Il y a des gens qui croient qu'on peut prier pour s'édifier aussi en esprit. Ces deux choses-là, ça peut vous diviser dans les futurs. Vous comprenez maintenant? Je cite encore un autre exemple. Il y a des gens qui croient que la femme doit prêcher. Il y a des gens qui croient que la femme ne doit pas prêcher. Vous ne pouvez pas vous marier parce que vous ne croyez pas aux mêmes choses. Tout est clair maintenant. Tout est clair maintenant. Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris. Hein? Acclamez pour Jésus. On part au cinquième point. Le combat de la compatibilité physique. Même si mon frère, tu dors dans les montagnes, Ozan va poser en zoto. Gloria, tu rigoles. Les célibataires disent amen. Dites amen. Dites amen. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. La Bible dit dans Genèse, Eliezer de Damas est parti choisir une femme pour Isaac. Isaac, c'était le fils d'Abraham. Et Abraham donne les critères clairs. Le temps me manque pour lire ça. Il dit à Eliezer, jure par les dieux que j'ai pris. Mets ta main sur ma cuisse, jure. Que tu ne prendras pas pour moi une fille des fils au milieu desquels on habite. Ne les prends pas. Va dans ma patrie et cherche une femme pour Isaac. Amen. Je vais revenir sur la patrie. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Eliezer amène la femme chez Isaac, la Bible dit directement Isaac a vu Isaac l'aimant. Isaac n'avait pas encore parlé à Rebecca, mais Isaac a vu et Isaac l'aimant. Les combats de la compatibilité physique. Amen. Amen. Beaucoup de gens divorcent parce qu'ils ont épousé les femmes ou les hommes à défaut. Ceux qui n'étaient pas là vont rater. Ce que je vais dire est très sensible. Qui a moins de 18 ans ici? Qui a moins de 18 ans ici? Personne, hein? Ne mentez pas. Qui a moins de 18 ans ici? Ah, il est bébé. Non, les bébés. Laissez les bébés tranquille. Il n'y a que les bébés. Hein? À part les bébés, tout le monde a plus de 18 ans. Ok, donc je peux parler. La compatibilité physique. Je suis contre ceux qui disent que Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas quoi? Il ne regarde pas quoi? Non, dites bien, Dieu ne regarde pas quoi? Qui peut me donner les versets? Qui peut me donner les versets? Isaïe dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Prier, c'est chanter deux fois. Qui peut me donner les versets? Là, c'est Dieu, hein? Laissons Dieu. Je reviens sur Isaac, qui est un homme. Dieu n'est pas un homme, hein? Ils sont Dieu. Isaac a vu Rebecca. Isaac a aimé Rebecca. Ça parlait avec Rebecca. Qu'est-ce qu'Isaac a aimé? C'est le physique. Amen. Qui connaît l'histoire? Isaac a aimé ce qu'il a vu. Les gens se marient parce qu'il est pauvre. Il s'attache à une fille. Tant qu'on combine un bon mot, il va chercher les bébés. Mon frère, même si tu es pauvre, fais les choix maintenant. Amen. Amen. Fais les choix que même quand tu auras 1 million, tu garderas le même choix. Amen. Tu dois aimer ce que tu veux, la nuit comme les jours. Beaucoup de gens divorcent parce qu'ils se disent que Nalinga Kepo Azaki Fia Mpiaka. Je dois vous dire la vérité. Mais tant qu'on a commis un niveau élevé, il faut la changer. J'aimerais te dire que c'est toi le coupable.
C'est pas la fille, c'est toi le coupable. C'est toi le coupable. Tu dois faire un choix de la personne que tu aimes. Si tu aimes les filles minces, n'épouse pas les filles grandes de taille. Si tu aimes les filles grandes de taille, n'épouse pas les filles minces. Je vais parler. Si tu aimes les hommes qui parlent bien français, personne ne va te condamner, ce n'est pas un péché. N'épouse pas un homme qui a difficile à atteindre deux phrases en français. Le physique, c'est ce que l'homme voit. Et l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Amen. Ça, au moins, c'est dans la Bible. Ne négligez pas le physique. Ça peut devenir un combat sérieux. L'homme ou la femme est appris à se développer. Il peut maintenant avoir un gros ventre, elle peut maintenant avoir donc, elle peut faner. Il faut qu'il y ait des choses qui te plaisent chez elle. Quand je dis physique, je ne parle pas seulement du physique corporel, même du physique comportemental, caractère. Tout ce qui est aspect physique chez elle, tu dois aimer cela. Amen. Ce n'est pas un péché d'être exigeant dans les choix. C'est pas un péché. N'est-ce pas? C'est pas un péché. On nous a menti que parce qu'on est spirituel, on doit faire des choix spirituels. La compatibilité spirituelle doit marcher de pair avec la compatibilité physique. Sinon, okosumuka. Je vais parler. Tu dois épouser un homme ou une femme, pas parce que Dieu t'a dit, parce que Dieu n'est pas l'époux de ton mari, de ta femme, Dieu n'est pas l'épouse de ton mari. Qui a épousé Dieu ici? Oui, Malabala Yesu, maintenant, là, Rana Yesu. Qui dort avec Jésus? J'irai même loin. Qui a fait des bébés avec Jésus? Tu vas t'élever, tu vas les voir. Tu vas dormir, tu vas les voir. Tu dois aimer quelque chose en elle. Moi, il y a des choses que j'aime chez ma femme. Tissuko, Nalinga Kango. Mais je ne vous dirai pas que c'est ma femme. C'est entre nous. Amen. Et il y a des choses qu'elle aime chez moi. Il faut aimer ces choses-là. Il y a des choses que tu dois identifier. Tu dois aimer ces choses-là. Qu'on ne te trompe pas par un faux prophète, un pseudo-prophète, te dire une femme et au talib et tu ne l'aimes pas, ce n'est pas la femme que Dieu t'a donnée. Je vais parler. Qui croit que je suis prophète? Lève ta main. Tu crois que je suis prophète, non? Alors je parle au prophète. En matière de mariage, la prophétie n'est pas une exclusivité pour les choix du conjoint. Je peux le dire. Je peux insister. En matière de mariage, la prophétie n'est pas une exclusivité pour les choix du conjoint. Je vais encore mieux parler. En matière de mariage, la prophétie seule ne suffit pas. Elle peut venir, mais ce n'est pas un critère de base. Le critère de base, c'est l'amour. La prophétie passera, mais l'amour restera. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13 dit quoi? Même si je parle la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, les dons passeront. Parce qu'on t'a donné, on peut te retirer. Mais l'amour restera. Tu dois aimer la personne. Tu dois être compatible physiquement. Compatibilité physique. Si tu ne résous pas ça maintenant, plus tard, ça va te rattraper. Il y a des choses comme les sourires. Tu aimes son sourire. Attends, il sourire, on est ça bien. Amen. Amen. Tu aimes son charme au téléphone. Il y a des choses que tu dois aimer. Des choses qui doivent te retenir. Parce que quand tu auras la pression comme une mbongo, il y a des choses que tu dois aimer. Qui doivent te rappeler pourquoi tu l'as aimé. Parce que le combat viendra. Il y aura un moment, tu la sens pas. Mais ces choses-là vont te rappeler.
pourquoi tu l'as aimé. Si ces choses-là, c'est pour même si c'est une prophétie. Et sixième combat. Les mots que je vais dire risquent de prêter à confusion. Depuis que les TikTokers m'attaquent, je suis devenu très prudent avant de dire quelque chose. Les combats éducationnels. La compatibilité éducationnelle. Vous savez, quand je parle de l'éducation, je ne vais pas dire que ton mari est mal éduqué ou ta femme est mal éduquée. Je vais déjà enlever cette confusion-là. On peut parler de ça, tu peux dire que l'éducation a quoi à voir. Mais l'éducation peut facilement causer un divorce. Facilement. L'éducation peut facilement causer un divorce. C'est quoi l'éducation? C'est l'ensemble des choses que tu as apprises depuis que tu es petit. Il faut que les choses que tu as apprises, et ce qu'elle a appris ou il a appris, doivent avoir un matching, c'est quoi en français? Une compatibilité de au moins 80%. C'est beaucoup, hein? Au moins 80%. Si chez vous, manger la charcuterie le matin est un luxe, au fin, moi, si dépensière, au fin, est matérialiste. Et les problèmes vont commencer là. J'ai vu des couples échamés à cause de la charcuterie. La femme a grandi chez elle. Babando lia charcuterie na tongo. L'homme bando lia li pana manteka. Problème et bandi wana. Je ne blague pas, ce n'est pas une histoire annoncée. Histoire vraie. Et Égypte en plein moussousou. Comme il y a fin à boue, il y a fin à papa, fin à maman. Et quel niveau moussousou? La charcuterie à Pamba. Amen. Amen. Il y a des choses que chez toi, c'est normal. Vous avez grandi comme ça. Mais chez lui, ça ne passe pas. Il faut vite les remarquer dans les fiançailles et s'ajuster si vous allez vous marier ou soit abandonner. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. Ça veut dire quoi? Il y a des combats qui ne sont pas des bons combats. Tout combat n'est pas bon combat. Amen. Amen. Tout combat n'est pas bon combat. Bah comment nous sommes comme ça? Tu peux laisser ça. Si chez eux, la parole du papa, c'est oui et amen, on ne peut même pas souffrir d'une contestation. Ça fonctionne dans les régimes dictatoriaux. Et que chez vous, c'est le débat de la démocratie. Ne les pousse pas. Je vais parler. Ce sont des petites choses, mais qui créent des problèmes. Si chez toi, l'éducation, quand papa est là, les enfants sont dans la chambre. Chez eux, quand papa est là, ils sont au salon en train de jouer. Et que tu ne peux pas t'ajuster à ça. Luka Mutoyo, quand papa est là, tout l'amour ici à Zaza, Bobala. Amen. Amen. Je vous dis, j'ai 7 ans de mariage maintenant. 7 ans, c'est beaucoup. Il y a des choses que je constate chez moi, chez ma femme, autour de nous. Et ça devient toute une école. Ça devient toute une école. Et je parle avec des gens qui ont 25 ans, qui ont 30 ans. Mais qu'ils ont 30 ans, mais bah, il n'y a pas moi 7 ans, attendez pas problème là-bas. Tu remarques que chaque famille a son éducation. Et je suis poussé à dire, mes filles, je n'ai pas choisi pour elles les maris ou les femmes, tout ça. Mes filles, bon, les maris. Mais je vais me rassurer de les mettre
dans un environnement des mêmes valeurs que je partage. Amen. 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 Je vous l'ai dit. Naomi Kutkotala. Ah, moi, je n'ai pas de talent. Naomi Kutkotala. Naponé l'été, mais je me dis que les choses seront faciles avec telle famille parce qu'on partage les mêmes valeurs. Tu n'as aucune idée de combien les problèmes d'éducation peuvent devenir les sources de chamaillerie tous les jours. Il y a des choses qui ne seront pas les mêmes. Oui, tu peux t'adapter. Mais il y a des choses où tu ne dois pas négocier. Par exemple, chez eux, ils se tutoient. Papa, maman se tutoient. Mais chez vous, c'est les vouvoiements. Au moins, il y a un peu de temps. Moi, je suis un peu de temps. Et Sili, famille Vandi. Les combats commencent. Alors que les tues qu'elle a fait, ce n'était pas un manque de respect. Pour elle, c'est affectif. Mais là-bas, on a très mal pris ça. Et depuis quand? Impoli. Qui est au courant de ça? Qui c'est ce que j'ai dit? Ah, il y en a même qui sont levés, donc c'est vrai. Enseigne à ta femme, enseigne à ton mari, que dis-je, à ton fiancé, à ta fiancée, les choses de chez vous, et remarquez dans les fiançailles, parlez-en. Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est négligeable, je peux gérer. S'il y a des conversations que les fiancés doivent avoir, c'est par rapport à leur famille. Vous parlez trop de vous, mais vous parlez peu de votre famille. Orobimisa maman na yo ndoke pa moi si na yo à cause de toi, c'est toi le coupable. Je peux répéter. C'est toi le coupable. Parce que ta femme a vécu 25 ans sans connaître ta mère. Toi tu as vécu c'est pas 30 ans sans connaître son père. Tu n'es pas Dieu pour savoir que ces genres de blagues chez nous ça passe pas. La mauvaise blague au mauvais moment, allez pouf. En amont d'escarmouche et yindi. Non, maintenant tu vas te mettre en amont d'escarmouche et yindi. Et le roi Moukira, paf! Et bien, c'est problème. Et les diables aiment ce genre de choses pour te mettre dans des situations compliquées. Amen. 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 Le septième combat. J'ai dit qu'il y a plusieurs combats. Le septième combat, j'espère que je donnerai encore sept autres combats. Quand on aura le temps, mais là, ça sera dans les écoles. J'ai décidé de ne plus prêcher en route pour le mariage dans les formats comme ça. On va maintenant aller dans les écoles. À moins que Dieu me dise autrement. Parce que beaucoup de choses que je vais commencer à dire seront tellement sensibles que ça sera réservé aux gens qui ont manifesté la volonté d'apprendre et d'étudier. Amen. On aura même des interro et des examens. Au Péli, au bandé des classes. Amen. Qui est d'accord avec ça? Qui aime les écoles de mariage? Qui est d'accord qu'on fasse des écoles de mariage? On fera des écoles de mariage. Donc, j'ai vraiment clôturé ici. Après, ce sera les écoles. Donc, il y aura encore d'autres combats qu'on va parler. Mais le septième combat, je vais parler de ça. On est en mode privé, Yogen? On est en mode privé? Ok. Le combat du sexe. La compatibilité sexuelle. La compatibilité sexuelle. comme dit ma fille, Indi, la compatibilité sexuelle. Ma soeur, mon frère, Olingin Zambe Mingi, mais il y a un moment, Olinganzoto Mingi. Qui a dit amen? Qui a dit amen là-bas? Dis amen. Combat ta mate, dis amen. Dis amen. La compatibilité sexuelle. La compatibilité sexuelle a plusieurs dimensions. La première dimension, il faut se connaître sexuellement. C'est wana ya binomi balete, c'est ya mutu moko. Amen. L'individu doit se connaître lui-même sexuellement. Tu ne peux pas parler mariage quand tu ne te connais pas sexuellement. Tu dois connaître ta dose de libido.
Amen. Il y a des gens qui ont une forte libido. Il y a des gens qui ont une faible libido. D'autres, c'est moyen. Il y a des gens qui naturellement aiment beaucoup les sexes. Il y a des gens, pas trop. Maintenant, le danger, c'est quoi? N'épouse pas une personne qui aime beaucoup les sexes pendant que toi, tu n'aimes pas les sexes ou bien tu aimes moins les sexes. Je peux le dire. Je peux le répéter. Je ne dis pas que les fiancés doivent coucher ensemble. C'est un péché, non. Mais ce sont des sujets auxquels vous devez en parler. À bâton rompu. Pas au début, non. Quand il y a des décisions claires que vous voulez vous marier. Sauf que vous avez Sony Sony, vous avez un katikati. Vous avez un beaucoup solo là. Amen. Parce que le combat du sexe est un combat qui rend les hommes et les femmes frustrés dans les mariages. C'est le combat qui crée des divorcés, mais qui sont mariés. Ils sont divorcés, mais ils sont mariés. C'est le combat qui crée la masturbation dans les couples mariés. La masturbation n'est pas que pour les célibataires, même les mariés se masturbent. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que il n'a pas ou n'a pas été suffisamment satisfait. Mariez-vous. Je ne dis pas qu'il y ait le même niveau, mais mariez-vous à des niveaux presque le même. D'abord, du premier combat, comme j'ai dit, dans le sous-combat, c'est dans la dose de libido. Libido, c'est l'envie sexuelle. Cette dose-là, il faut que ça soit équilibré. On doit le dire ici. On doit vous dire ça. Et je vais continuer ça dans l'école du mariage. Je vais vraiment vous donner des techniques comment en parler sans créer des escarmouches. Là, c'est pour les écoliers. C'est un combat sérieux. Sérieux. Dans le septième combat, là, lorsqu'on parle de la dose de libido, on parle aussi du passé sexuel du partenaire. Ça influence beaucoup le présent sexuel. Une femme qui n'a pas d'expérience sexuelle doit être traitée différemment d'une femme qui a de l'expérience sexuelle. Et une femme qui a de l'expérience sexuelle, j'ai des conseils qu'elle épouse un pisseau. Et comme il est sérieux, hein? J'ai des conseils. Parce que tu ne vis pas avec les anges, tu vis avec les hommes. On doit te dire la vérité. Et vous les hommes, surtout vous l'église, vous rendez les femmes hypocrites en brandissant « je vais épouser une femme vierge ». Et si les femmes décident qu'elles veulent épouser un homme chaste, bon, y'a. Il est 19h45 à ma montre. Je dois arrêter. Malheureusement, je dois arrêter. On va libérer la salle avant 20h. Je dois arrêter. Je dois arrêter. Avant que j'arrête, qui veut qu'on fasse des écoles de mariage? Levez vos mains. Qui veut qu'on fasse des écoles de mariage? Qui va s'inscrire aux écoles de mariage? Ok. À la fin du culte, on va mettre un papier, on prendra vos noms et on va commencer d'ici là. J'ai continué sur le combat de mariage. J'en ai écrit 50 combats. C'est tout un livre que je vais publier quand Dieu le voudra. 50 combats. Je ne vous parle que de 7 combats. Mais le combat du sexe, on va en parler même dans 5-6 sessions. C'est un combat qui doit être traité sérieusement. Parce que c'est les combats que le diable utilise. On parlera du phénomène mari de nuit. Tout ça, c'est à l'intérieur. Quand une femme a été exposée, ou un homme, exposé aux femmes de nuit dans le passé, elle doit être traitée différemment. Amen. Amen. Je parlais du libido, je parlais du passé sexuel, je parle maintenant de mari de nuit. Ce n'est pas de la blague. Si j'ai fait sortir tout le monde, j'ai reçu chaque personne un à un ici, je suis sûr que 7 personnes sur 10 me diront que ils se sont déjà réveillés comme si quelqu'un les a tripotés la nuit. Est-ce que j'ai menti?
Le calme, elle me dit que je n'ai pas menti. Ce sont des choses que, avant d'être marié, il faut les traiter. Amen. 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 Il faut les traiter. Plus on a honte de ça, plus ça devient fort. Plus on les expose, ça devient faible. Le diable perd sa force quand on l'expose à la lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus.